Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser une broderie sur un vêtement. Vous avez besoin d'un cadeau rapidement réalisé, pas trop compliqué. C'est parti. Admettons que vous vouliez broder sur ce petit body. Il vous faudra le body, un petit morceau d'avalon qui est un hydrosoluble, le texte à broder adapté à la taille de l'ouvrage. Donc dans ce cas, je l'ai imprimé sur à partir d'un logiciel d'impression n'importe lequel. J'ai choisi ici là l'écriture Bradley Hands taille 66. J'ai bien mesuré, donc le texte va faire à peu près 12 cm et va être positionné par ici. Voilà. Donc tout d'abord, vous commencez par imprimer le texte que vous souhaitez imprimer, que vous souhaitez broder. Vous prenez votre feuille d'avalon et vous allez reprendre à partir de votre texte le dessin sur l'avalon, et ceci à l'aide d'un crayon friction. L'avalon va se dissoudre dans l'eau, donc on va déjà reprendre le texte sur l'avalon, ensuite l'appliquer sur le petit body. C'est très facile. Vous reprenez avec votre stylo le texte par transparence. Maintenant notre texte est sur l'avalon et nous allons maintenant bâtir, faites attention que ce soit bien droit, bâtir le texte à l'endroit où nous voulons le broder. À l'aide d'épingles, vous allez positionner l'avalon dans ce petit intissé qui sera dissous dans l'eau sur votre body à l'emplacement de la broderie. Je vous conseille de le bâtir pour qu'il ne bouge pas. Donc pour cela, un fil à coudre de couleur qui se voit sur le body pour pouvoir le retirer plus facilement, une aiguille, et nous allons bâtir au point avant. Là j'ai doublé mon fil, ce qui me permet de passer dans l'aiguille, de passer dans la boucle pour maintenir le démarrage. Au bout de mon travail, je suis juste pile poil pour la longueur du fil. On l'arrête sans faire de nœud, en laissant notre fil. On enlève bien les épingles. Et maintenant, vous choisissez la couleur de la broderie. Donc moi, j'ai pris un rose un petit peu soutenu, un petit peu foncé. Et je vais préparer une aiguillée avec 3 fils. Et nous allons broder l'inscription au point fendu. Pour cela, je vais prendre une aiguille de 60 cm. C'est 6 fils, je vais la partager en deux pour ne prendre que 3 fils. 1, 2, 3, et je les sépare délicatement. Une aiguille. Je rentre les 3 fils dans le chat. J'ai pris une aiguille un petit peu grosse, la racine. Voilà. Donc là, je vais faire un nœud que je vais déposer loin de sécuriser mon ouvrage. Donc là, j'ai fait un nœud. Vous faites un nœud comme vous pouvez, voilà, au bout. Et nous allons démarrer ici. Là, je vais prendre un tambour. Je vais installer mon tambour. Faites bien attention de vous mettre bien dans, de ne prendre qu'une seule épaisseur, de vous mettre bien dans le body. Broitière, hop, je dévisse, j'installe. Je ne tends pas trop, comme c'est du jersey, sinon ça va tirer après. Je pose simplement un petit tour de vis et c'est parti. Donc mon nœud est toujours au bout, à jalon. Donc je dépose mon nœud loin sur l'avant de l'ouvrage et je viens me mettre au démarrage de mon écriture. Donc c'est un point qui se fait droitier gaucher de la même façon, droitière gauchère de la même façon. Vous allez faire un point avant. On va zoomer un petit peu. Un peu de lumière,
Et c'est parti. Alors, je vais récupérer mon aiguille. Non, je vais la récupérer par le col, en fait. Voilà. Je fais un point avant. Je le tends. Je le maintiens derrière avec mes doigts. Et je vais fendre le point de dessous vers dessus. Je vais venir au milieu du point. Et je tends. Et j'avance encore. Donc c'est vrai, il est important de prendre en compte la difficulté de l'écriture. Donc le choix du graphisme est important. Ne prenez pas des choses très très fines parce qu'on va avoir du mal à tourner. Voilà, point avant. Et ensuite par en dessous, je vais fendre le point. Je vais venir au milieu. Ça forme comme une sorte de petit point de chaînette. Donc là, je suis à trois fils. Alors, quand ça tourne, je pousse avec mon doigt pour bien le garder sur l'extérieur de la courbure. Point avant. Voilà. Donc là, ça tourne. Donc je vais pousser mon fil avec mon doigt pour qu'il reste au bon endroit sur le trait. Et je vais le fendre à ce niveau-là. On va avancer ici, là. Donc quand on sera à cette période-là, à cet endroit-là, on va plonger dedans et on va ressortir ici, à la pointe, au démarrage de la boucle. Maintenant, je suis au bout de ce point-là. Donc je vais faire un petit point fendu quand même et je vais venir tout contre, pratiquement dans le même trou de là où j'étais sortie au point précédent. Et je vais ressortir un petit peu plus loin au démarrage de la boucle. Donc pour la boucle, les points vont être un petit peu rétrécis pour pouvoir tourner correctement. Et on le fend. Point fendu. Et on brode comme on écrit, dans le même sens. Lorsque vous arrivez au bout de la lettre, si l'écart n'est pas plus de 1 cm, vous pouvez y aller directement. Donc là, je vais, hop, je pars directement. Et je recommence. Je fais mon point avant, je tends et je fends. Petite difficulté lorsqu'il va falloir changer de direction. Donc j'ai avancé, j'ai lancé mon point droit. Et je vais aller directement de l'autre côté pour faire la pointe. Et je vais embrocher un petit peu. Le point précédent. Donc on repique très légèrement dans le point précédent. Et on repart pour que l'angle soit bien pointu. Là, il n'y a aucune difficulté. Là, on va s'arrêter ici. Je vais reprendre en haut, comme quand on forme un haut. Et je vais le broder dans le même sens que l'écriture. Je vais sauter là, toc, le haut de la lettre D. Et je vais descendre. Et on se retrouve au bout. Une fois que j'ai terminé le M, je monte pour démarrer le O dans le même sens que l'écriture. Donc, je démarre en haut. Pour me retrouver ici et repartir sur le N. Je suis presque arrivée à la fin de ma première ligne. Je n'ai plus beaucoup de fil. Je vais vous montrer pour arrêter. Alors je vais faire les deux derniers points. On disparaît en dessous. On enlève le tambour et on va voir en dessous ce qui se passe. Voilà, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous tirez votre aiguille. Et là, il vous faut quand même 7 à 8 cm de fil pour pouvoir l'arrêter correctement. Parce qu'il va falloir l'arrêter solidement. C'est un petit vêtement qui va être lavé régulièrement. Donc vous allez délicatement passer dans les points, une fois dans un sens, dans les derniers points, une fois dans l'autre. On peut en sauter un, pour que ce soit des points qui soient quand même faciles à broder. La netteté.
Là, je vais aller là-bas. Et je vais revenir. Je vais empaler mon point, point précédent. Voilà, je ne fais pas un gros pâté parce qu'il ne faut pas que ça fasse une pression sur le vêtement quand il va être porté. Je ne fais pas de petites boules, voilà, mais je veux que ce soit très bien arrêté. Voilà, et ensuite on coupe. Quand c'est bien arrêté, on coupe. Tac. Voilà. Donc la première ligne est brodée. Nous allons reprendre la deuxième ligne. Comme tout à l'heure, je vais démarrer sur le T. Dans cet exemple, pour broder, je viens de terminer la structure du T. Il va falloir que j'aille broder la petite barre. Donc je suis ici, je vais aller redémarrer ici là. Donc en fait, je vais, plutôt que d'avoir un grand trait comme ça, on peut aussi repasser. Alors, on va zoomer pour aller bien. Voilà. Même système que pour l'arrêt de tout à l'heure. Repasser dans quelques... Hop, je me retrouve ici là. Là, je traverse. De la même façon que l'on écrit. Donc je vais passer par-dessus mon T. Je tends et je fonds. J'ai terminé mon aiguillé au milieu du mot. Donc je vais vous montrer comment on redémarre au milieu sans faire de nœud comme pour ce démarrage là. Donc là, vous ne faites pas de nœud, vous laissez vos 6 fils, vos 3 fils, et vous allez vous accrocher dans les points précédents. Délicatement, sans traverser le tissu en restant en effleurement. Et on va embrocher le tissu. Il faut bien rester sur l'arrière. Hein. On va faire 2 petits points, 3 petits points, pour être sûr que c'est bien attaché. Voilà. On recoupe les deux petites couettes qu'on avait laissées et on repart pour terminer le mot et on se revoit à la fin. Maintenant que l'écriture est brodée entièrement, donc il va nous rester à arrêter les deux petits points de démarrage. Donc vous retirez votre tambour, vous allez couper les nœuds. Donc coupez le nœud à ras, hop, à ras du nœud, hop, se mettre sur l'arrière et espérons que vous avez pris un fil suffisamment grand, vous allez le réenfiler et le repasser dans les points qui ont été brodés. Même système que pour le démarrage au milieu d'un ouvrage. Peut-être parfois il faut reprendre une aiguille un petit peu plus petite pour qu'on puisse tourner à peu près. Moi je désenfile, hop, je prépare mon point, voilà, je mets un petit peu, je passe mes fils dans le chat quand l'aiguille est prête à passer. Et je tire et ensuite je coupe la petite mèche. Voilà, je vais refaire le même processus ici là. Ensuite nous allons enlever le fil à bâtir et passer le petit body dans l'eau pour faire fondre l'avalon. Enfin, déjà je vais découper la partie de l'avalon ici là et sinon je mets le petit body à la machine et notre ouvrage est terminé, il est prêt à être repassé et offert pour le bébé. Ce genre de broderie qui est rapide, j'ai mis à peu près 2 heures pour le faire, un petit peu moins de 2 heures, tout compris, avec l'impression du texte. Vous pouvez le broder par exemple sur le col d'un t-shirt, à l'intérieur du col d'un t-shirt d'un ami. Ça reste très discret et la personne pense à vous chaque fois qu'elle va enfiler son t-shirt. À bientôt !